Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je fais une vidéo assez rapide. Je viens de terminer mon direct sur le thème ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai eu mon baccalauréat. Si tu n'as pas regardé ce direct, va le regarder. Il est très riche en informations. Ça va t'éviter de perdre du temps, de faire des erreurs inutiles et surtout de savoir comment te comporter. Dans un monde où le diplôme devient de plus en plus banalisé, il est important de très vite savoir s'orienter. Comme le dit certains savants, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. J'ai terminé mon direct, je me suis connecté sur WhatsApp, je suis rentré dans le groupe de formation. Le groupe de formation de Agent Live avec Valère Bélias. Et j'ai vu le message aussi. Waouh, je suis très 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 content. Ça m'a donné envie de faire une vidéo, j'avais pas prévu. Mais je suis vraiment content. Je me rends compte de l'importance des formations. Ça, c'est la première chose. Je me suis rendu compte de ça depuis. Mais c'est le formateur qui est le plus important. Ah oui. Vous voyez, on veut déjà les versions papier de mon livre, alors que ce n'est pas encore sur le marché. Pourquoi? À cause de la bonne réputation du formateur. À cause du travail qu'il a déjà abattu, à cause des faits qui parlent en sa faveur. En prise de parole, on peut mieux quand on dit les faits parlent, l'histoire va. Je fais cette vidéo pour te dire, toi qui as envie d'écrire depuis, que everything is possible. SB, tout est possible. C'est possible que tu écrives ton livre en 28 jours. Moi, je suis un homme de défi. Je me suis fait former par Valère, qui a écrit son livre en 28 jours. Comme il faut toujours un peu faire plus que le mentor, j'ai écrit mon livre en 18 jours. Et bah oui, je te laisse imaginer les nuits blanches. Je suis vraiment content de ce que je vois, d'avoir travaillé avec eux. Ils sont d'un dynamisme incroyable. La gaieté dans le groupe, la joie de vivre, la bonne humeur avec les autres participants, ça crée de la famille, mais surtout la rigueur. Ah, il y a quelque chose qu'il faut que je dise. Valère, il nous a fait signer des engagements. Donc, genre, on signe qu'on s'engage à travailler. Si on ne travaille pas, nous sommes du groupe. J'ai vu mes promotionnaires sortir du groupe. Hein. Ceux qui n'étaient pas à jour, qui ne voulaient pas avancer. Il les mettait dehors. La rigueur était de taille. Ça m'a marqué. J'ai dit, waouh, ça joue pas là. Et ça a mis tout le monde au pas. Et si tu voulais revenir dans le groupe, il y avait des conditions. Ça, par contre, j'ai aimé. Ça, c'est un gros professionnalisme. Et pour ça, je lui tire mon chapeau. Les personnes qui nous encadrent, c'est simplement waouh. Donc, si tu veux faire l'expérience, je t'assure, avant que les prix n'explosent, gars, va faire ton masterclass chez Valère. Va écrire ton livre. Laisse-le éditer ton livre. En éditant ton livre, gars, la probabilité qu'il se retrouve très vite dans certaines bibliothèques est très élevée. Mais en attendant, place à mon livre du système D à l'entrepreneuriat qui sortira exactement le 16 novembre 2020. Ayant pour slogan, la porte que tes diplômes n'ont pas pu t'ouvrir, ton talent te l'ouvrira. Mon nom est José Schneider, t'as fait. Excellente journée, on est ensemble. Ciao. Vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer? Vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre? Vous avez une expérience et souhaitez la partager? Valère Bélias, auteur de 3 véritables pépites, vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la 3e édition d'une masterclass inédite intitulée « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Au cours des 2 premières éditions, Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien.
S'ils l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Argent Livre, c'est une communauté de plus de 130 000 abonnés qualifiés qui ne demandent qu'à vous lire. Alors, écrivez et nous nous occupons du reste. Car écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux.